Ouais, salut les abonnés, ça va tranquille. Ok, aujourd'hui les gars, deuxième prank sur Odo, ça va être une dinguerie. J'ai trop hâte. Je rappelle que si vous vous abonnez pas, je vous brûle. Et mettez un petit like. Si vous mettez beaucoup de likes, je referai des pranks sur Odo. Les gars, il va bientôt sortir de chez lui. J'attends que ça. Faut pas qu'il me voit, hein. Je crois que je l'entends. Il sort, ça y est. Je sais pas où il va. Je vais le suivre. Ok les mecs, il est parti par là-bas, faut que j'y aille. Vite, 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 vite. Ah, le proc que j'ai préparé, vous êtes pas prêts. Hein? Regardez, il est à l'hôpital. Mais pourquoi il ira à l'hôpital? C'est trop bizarre. Attendez, je vais aller voir ce qu'il fait. Je vais essayer de pas trop m'approcher. Je vais me cacher derrière cet arbre. Je suis invisible. Je suis un dragon caméléon. Y a jamais personne dans cet hôpital. Vas-y, en plus, je suis malade en ce moment, j'ai super mal à la voix. J'aurais bien voulu avoir des petits médicaments pour m'aider à faire des vidéos. Qu'est-ce qu'il dit? Il est malade. Il a la voix cassée. Nous, les dragons, on n'a jamais la voix cassée. Parce que, bah, à force de cracher du feu dans notre gorge, eh ben, notre gorge, elle est surpuissante. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh, il va peut-être sortir, faut que je me coche. On dirait qu'il est en train de partir, ça y est. Oh, il a l'air de venir ici. Ok, je crois que j'ai bien fait de me cacher. Il est là. Oh là 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 là. Il va où? Il faut surtout pas que je bouge, pas qu'il me voie. Oh, j'ai eu chaud. C'est pas passé loin, si tiens-moi une. Ok, allons-y. Allez, je vais mettre un truc dans sa prochaine vidéo. Il devra s'asseoir sur sa chaise et ça va faire un prout. Je vais mettre un coussin péteur sur sa chaise. Comme ça, quand il s'assoit la prochaine fois, il va péter et le prof, il va dire « Oh, Oda, t'es vraiment dégueulasse de péter dans la classe. » Et tout le monde va se moquer de lui. On va bien rigoler, ça, je te jure. J'ai hâte de voir la prochaine vidéo. Ok, je l'ai vu, il est parti s'acheter des vêtements. Attends, il est là. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de choisir des vêtements ou je rêve, là? Ouais. Oh, je viens d'avoir une idée de prank en plus. Avec des vêtements. Je vais changer ses vêtements. Je vais mettre des vêtements de fille. Ça veut dire que la prochaine vidéo aussi, il aura des vêtements de fille. Trop marrant, je te jure. Ça va être n'importe quoi. Il arrive. Oh non, c'est fermé. Ok, c'est bon, j'ai eu chaud. Il est parti à la bibliothèque? Mais il sait pas lire, comment ça se fait qu'il va là-bas, lui? Bizarre, cette histoire. Je ferais mieux d'aller voir. Hein? Qu'est-ce qu'il fait? On dirait qu'il cherche un livre. Vous avez vu ce qui s'est passé? Il a disparu! Il était là il y a 2 secondes! OMG! Mais comment il a fait? Il a une nouvelle cachette secrète avec ses livres! J'ai pas vu! Quel livre il a pris, les abonnés? Oh non, j'ai pas eu le temps de voir. Ça me pose problème parce que du coup, je sais pas où il est passé. Comment je vais pouvoir le pranker? Je sais! Je vais envoyer un mail sur son téléphone. Je vais me faire passer pour Odette et lui donner rendez-vous à la plage. Et ensuite, je vais le pranker là-bas. Je suis un génie démoniaque. Mais c'est qui m'envoie des messages? Odette? Qui me donne rendez-vous? Faut pas que je loupe ce rendez-vous, c'est le plus important. Ok, je crois il a marché dans le plat. Allez, vite, je vais à la plage. Je vais me déguiser en Odette. J'ai une potion qui me permet de me déguiser en n'importe qui. Il suffisait juste de trouver un petit peu de cheveux. Et vu que Odette, elle vit dans la maison de la team jaune, j'ai pu récupérer sur sa brosse à cheveux un petit cheveu à elle. Ça y est, je me suis déguisé en Odette. Il reste plus qu'à attendre Oda. Je vais essayer de prendre une voix de fille parce que ça change notre corps, mais ça change pas notre voix. Salut, c'est Odette. Vous trouvez que je le fais bien? Mais qu'est-ce qu'elle me veut, Odette? Pourquoi elle me donne rendez-vous à la plage? Elle sait très bien que j'aime pas trop la plage parce qu'en ce moment, il fait pas très beau. Et du coup, on peut pas trop se baigner, sinon on va se glacer les miches. La voilà. Bon, j'espère qu'elle me dit un truc important parce que sinon, elle m'a gâché ma journée, quoi. Odette, salut! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu m'as dit de venir à la plage? Alors qu'on est en hiver, là, il fait trop froid. Oda, il faut que je te dise un truc. Y a un problème avec Max. Je crois qu'il est amoureux de moi. Max, amoureux de toi? Mais il a déjà Rose. Il a un enfant avec elle, pourquoi il sera amoureux de toi? C'est trop bizarre. Bah, je sais pas, demande-lui. Envoie-lui un petit message.
Alors, Max, envoyez un message. C'est vrai que t'es amoureux de Odette, c'est trop bizarre si c'est vrai. J'attends sa réponse. Hop, ça y est, il m'a répondu, répond super vite, c'est un professionnel. Alors, non. Tu penses qu'il est en train de me mentir? Non, Max, il me mentirait jamais quand même. Je vais te poser une question, Odette. Et si t'arrives à répondre, ok, je te croirai. Alors, quelle était notre journée de Saint-Valentin? Qu'est-ce que je t'ai offert en dernier cadeau? Ah non, j'ai pas regardé sa vidéo, j'aurais dû la regarder. C'était une chanson. Eh ben non. Voilà, c'est pas la vraie Odette. Parce que la vraie Odette, elle aurait dit que je lui ai offert une rose. Bon, d'accord, c'était moi, c'était Gondra depuis le début. Eh vas-y, t'es trop fort, Oda. Je pourrais jamais réussir à te pranker si ça continue. Je t'aurai un jour. Je t'aurai, Oda. Abonne-toi avec la cloche, sinon je te brûle. Abonne-toi avec la cloche, mets un like très vite. Abonne-toi avec la cloche, sinon je te brûle. Abonne-toi avec la cloche,